Salut tout le monde, ici John Cutter pour la suite de notre aventure suivie sur Fallout 3, épisode 51, putain 51 déjà. Je suis invisible parce que j'ai pris un truc qui rend invisible, un Stealth Boy il y a pas longtemps dans l'épisode précédent en me gourant. Et je vous avais annoncé qu'on allait voir ce qu'il y avait en haut de ce phare. Je vous avais aussi annoncé qu'on allait se barrer après ça du DLC. Sauf que mon ami Google m'a dit qu'il restait trois quêtes à faire dans ce DLC. Une qui est de la collecte d'objets que je ferai pas. Par contre, une autre qui a l'air bien bourrin. Ok, l'espion, on connaît. Une autre qui a l'air bien bourrin et une deuxième qui a l'air assez sympa. Du coup, on va faire ces deux-là. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Ce sont des quêtes que j'ai jamais fait. J'ai évité de me spoiler. J'ai juste regardé où on les démarrait, en fait. Et voilà, voilà. Mais ouais, j'ai vu qu'il y avait une quête de collecte d'objets pour que quelqu'un fasse de l'alcool. Ça ira, hein. On va s'en passer. Pas envie de m'endormir en faisant la quête. Déjà que la quête... c'est quoi ça ? Il n'y a pas grand chose dans ce phare. J'espère qu'il y a un truc intéressant. Ou... Parce que là, c'est un peu long à monter, quoi. Il va pas me dire qu'il n'y a rien. Bon, il y a quelque chose dehors. Juste pour la vue, non, on déconne là. Surtout que la vue là, elle est pas top, 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 quoi. Allez, encore un étage. Bien sûr, je suis parti dans le mauvais sens. Là, on voit la cathédrale là-bas. Le manoir qui a pété. Un beau carré là, niveau affichage, c'est joli. Bon. Il n'y a pas une quête pour changer l'ampoule ? Si le mécanisme du phare serait joli avec un vrai phare. Harmonica, tiens, je le prends. La fête. Ah, note pour le disque. Je vais l'écouter parce que si ça peut m'aider à allumer le phare, moi je veux bien l'allumer. Ce serait carrément plus sympa. Je vais porter. Il faudra du temps pour régler la situation. Quoi? Votre livraison destinée au magasin s'est perdue sur ces nouvelles routes et a été victime d'un accident. Sortie de route près de la cathédrale. Pour remplacer les ampoules de signalisation, vous pourriez rejoindre le véhicule accidenté vous-même et livrer personnellement les ampoules. D'accord. Eh ben, je sais pas, moi j'ai bien envie de l'allumer ce phare, même si... C'est peut-être pas passionnant, je sais pas, on va se chercher. D'autant plus qu'ils m'ont dit que c'était près de la cathédrale. On va y aller, et puis c'est trouver... Sortie de route. Ça veut dire que c'est près d'une route. Chercher les ampoules, tiens. Je sais pas, peut-être ça fera joli sur la ville, on verra bien. Ça fait pas partie des quêtes hein, que j'ai vues. Mais bon. Ça me tente. Désolé si vous êtes pas... si vous êtes pas passionné par les ampoules. Excusez-moi, moi j'aime les ampoules. C'est ma grande passion. J'ai grandi avec une famille d'ampoules. J'étais élevé par des ampoules dans les égouts. Hop, alors elle est où la route? Je la vois même pas. Sortie de route près de la cathédrale. C'est indiqué qu'elle est par ici, la route. Ça, c'est une route? Vous foutez de ma gueule? Pardon. Qu'est-ce que c'est? Une goule démarrée. D'accord. C'est ça, la route, hein, je rêve pas. C'est plus bas? Là-bas, il y a l'air d'y avoir un truc. Près de la cathédrale. Pas vraiment une route, hein, où je suis, mais... Voilà. Là aussi, il y a une camionnette. Ça doit être ça, hein. J'espère. C'est bien une sortie de route, ça, hein. On me la fait pas, moi. Épave de camion. Je dois trouver quoi, des ampoules? Est-ce qu'on la voit d'ici? Ah, là! Ampoules de phare. Est-ce qu'il faut que j'en prenne plusieurs? Bon, ça va, c'était pas très long à trouver. Je vous aurais pas trop saoulé avec mes ampoules. Elles sont toutes pétées les autres, hein. Je suis pas fou. Regarde dans les boîtes. Bon bah allez, je vais aller allumer le phare. C'est pas... Non, c'est en bas, je suis con. Hein. Hop hein. Oui. J'espère que ça rendra la ville un peu plus jolie. On verra bien.
Je sais pas s'il y a une récompense, je pense pas. Ah bah vous allez me voir tout remonter par contre, ça va. C'est que du plaisir. Wouhou! Bleh. Ah ouais, c'est bien vous quand même, hein. En même temps, je suis con, c'est un phare. J'avais pas vu celui-là, il est mort à un endroit stratégique. C'est de pas me croûter la gueule en plus, si possible. Comme c'est beau. Allez, allez, c'est quoi ça? Encore des petits chandeliers qui ne servent à rien. Je suis un peu déçu, je m'attendais à trouver mieux dans ce phare, moi. Enfin, je m'attendais à trouver quelque chose, surtout. Mais bon. Je vais aller... Je suis électricien de formation, pas du tout. C'est pas grave, je veux changer cette ampoule. Non, c'était de ce côté-là, on se souvient. Hop. Allez. Toc. Ça, c'est bon, non? Ça veut me dire qu'il en fallait deux. Petit vieux mécanisme du phare, là, c'est bon. Ah, ça, peut-être. Ah, merde! Il en fallait deux. Bon, bah, il n'y en aura qu'une qui marche, hein, tant pis. On peut pas tout avoir dans la vie. Alors, suite des événements. Donc, je vous ai parlé de deux quêtes. Grotte côtière, ouais, celle-là. Ouais, celle-là. Il y a une quête là-dedans. Ah, je l'ai pas encore découvert. On va partir de... d'ici. C'est quoi, je vais mettre un marqueur. Oui. Et épave de navire. Hop, voilà. Il y a une quête, je crois qu'elle est assez bourrin, de ce que j'ai compris. On va bien voir. C'est la surprise. Excusez-moi, je suis tout perdu. Non, c'est bon, c'est par là. Ah, mes radiations ont augmenté. Zut. Alors, la grotte côtière. Hein. Je sais pas où elle est exactement. Hein. Je me dis, c'est les quêtes que j'ai jamais fait, les deux que... J'ignorais leur existence jusqu'à hier. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas raté des quêtes comme ça dans d'autres DLC, mais je crois pas. Hein. Celui-là, ça reste quand même le plus ouvert des DLC. Et je crois qu'en plus, je m'étais arrêté là comme un con. Je m'étais dit, tiens, il n'y a rien à voler. Elle est où l'entrée de la grotte? Là au-dessus? Ah, d'accord. Et comment on y va? Oh non, vous n'allez pas me faire... Allez, grimpe, grimpe, grimpe. Il va me rendre fou, hein. Voilà, voilà, voilà. Allez, saute, saute. Allez, il y a une pierre, là, saute. Bordel. Bon, ça m'énerve. À tous les coups, c'est pas là l'entrée en plus. Carte locale. Ouais, c'est un peu en surplomb, c'est juste là-haut. Comment on y monte? Là, je suis embêté, là. J'aurais dû partir d'en haut. Le truc s'appelle grotte côtière quand même. Ah non, regardez ça. C'est... Hop, voilà. M'étonne que je l'avais jamais vu. C'est chiant pour y monter. Pas évident du tout. Hop, j'ai. Radeway. Merde, un psycho. Bon bah, psycho. Hein. Et grotte côtière. Voilà, voilà. Et je vais probablement. L'équipe d'une autre arme. 59. On va rester sur celle-là, en fait, pour l'instant. Tant pis. Je sais pas s'il me reste des époxy pour réparer mes armes. Là, je regarde. Je vais regarder tout de suite. Ce sera fait. Époxy. Oh, il m'en reste pas mal. C'est bon à savoir, ça. Voilà. Il m'en reste pas mal, là. Un lit, je n'ai pas le droit de dormir. Ah, un jardin. Oh, un mini-nuque. Ah, trousse de soins. Journal de pique. Lire le journal. Voilà, plus dégâts plus 5 en attaque les ghouls, ça c'est du bon. C'est clair que ça se prend. Bon, le reste, les 5 pauvres capsules, ça ira. Ah là, c'est lui là. Un peu de violence. Genre, y a pas de programme télé, mais tu regardes la télé quand même? Bienvenue à un travail extraordinaire. Dois-je vous inscrire sur les listes? Bien sûr que tu m'inscris. Pour pratiquer le plus beau sport de tous les temps. Après exposer des règles et versement des frais d'inscription de 1000 capsules, naturellement.
Rien que ça, 1000 capsules. Allez! Excellent! Les autres participants attendent, alors appuyez sur le bouton à l'intérieur pour me faire savoir quand commencer. Bon bah du coup, vous savez pas ce que c'est, mais... C'est pas grave. Ce sera la surprise. On a des ghouls ici. On va leur tirer dessus. Les fameux autres participants. Je suis pas là pour me faire des amis. Monsieur Plick s'est vraiment surpassé cette fois. Ah, il a une bonne gueule, lui. Alors, tu es le numéro 3. Eh bien, allons-y. On va étudier un peu le terrain avant. Avant de faire les cons. En bas, si on tombe, est-ce que c'est un drame? Non, on peut remonter par là. Par où? Je vois pas le chemin. C'est là pour remonter. On peut se mettre un peu en hauteur ici. D'accord. Oh le con. D'accord. Je suis pas là pour me faire des amis. Là on a une porte. Bon allez, on va appuyer sur le bouton. Et ça va être la fête du slibard. Hop, allez. Et oui, c'est un safari massacre de ghouls. Ghoul sauvage errante. Bon, je pourrais pas l'atteindre à tous les coups. Lui là. Ah, j'ai tué une ghoul quand même. C'est pas celle que je visais. Mais... On a pas une petite encore? Non? Vas-y, voilà. Ça c'est fait. J'aurais pas dû recharger. C'est pas grave. Ah bah il l'a dégommé. Oh ici, des luminescents. Hop, allez. Bon ça va, ça se passe bien. Avec le plus 5 en dégâts au ghoul, faut reconnaître que ça va encore plus vite que d'habitude. Ghoul démarrer. Hop. Ça va, c'est pas les les grosses ghouls là, j'ai oublié leur nom. On en a vu dans l'épisode précédent, les ghouls pillardes, je sais plus, pilleuses. Je donne une grosse connerie. Ouais, je les picote quand même. Ah là, on en voit une autre qui se pointe. Vous venez bien. Les ghouls sauvages errantes, elles sont pas dangereuses celles-là. Oh, pas trop. On nettoie, on nettoie. Hop. Il y a encore une ghoul qui cherche la merde. Ah ouais. Et là. Oh, il l'a raté. Oh, le fail. Il rate toutes. Ah non, pas celle-là. Sale bête. Il reste que... On est en train de me dire que mes partenaires vont crever. Tiens, je l'avais pas vu, mais c'est pas grave. Hop. C'était quoi? Non là, juste à droite, je l'ai vu. J'ai l'impression qu'il y a un des partenaires qui est mort quand même. Un des participants qui est mort. Je les vois pas. Là. Tiens, je t'ai sauvé la vie. Pourquoi je fais ça moi? Je sais pas combien il y a de ghouls hein, comme ça. Mais bon, c'est la fête de la ghoul quoi.
Ça valait bien le coup de payer 1000 capsules quand même. Je vais en prendre une petite aussi, ça. Oh là là, c'est le festival des critiques en ce moment, quoi. Je regrette pas d'avoir mis autant de points dans la chance. Hein. Ah, non, juste derrière lui, là. Bon, ben, on va tuer celle-là, mais... Il y a une goule derrière lui. Ah là, là. C'est une vraie boucherie. Heureusement qu'il y a le tour par tour. Ah, je fais que du critique. Non, j'ai pas rêvé, il y en a une autre là, voilà. Je l'avais vu courir derrière moi. Je sais pas si on a des bonus à, si les autres survivent. Pas du tout quand ça s'arrête. Ouais, il me disait bien, il y avait une boule qui avait du... Ouais, là, je devrais aussi l'avoir. Bam! Je suis pas là pour me faire des amis. C'est bien, lui, il a survécu. De rien, au fait. Tu sais, pour t'avoir sauvé la vie. Lui, pas terrible. Pour m'avoir sauvé la vie, il ose dire ça? Ah, le salaud, quoi. Ah, le petit con. Bon, vous avez vu, la quête était pas super dure, mais elle était assez sympa, surtout qu'elle est planquée. Merde, je sais pas par où on sort, moi. À part là. Le dieu du village, c'est moi. Yo, Plique. Démonstration de chat. Célébrons votre premier... Cette arme a été... En plus, je gagne une arme. Bien. C'était marrant, on peut recommencer. Non, merci, ça ira. Parlez-moi encore du safari. Non, il faut que j'y aille. Comme vous... Par contre, je sais pas si je peux récupérer mes capsules, mais ça vaut le coup d'essayer. Sale bête. Ah, nickel. Et voilà, en plus, on gagne du fric. Merci. Désolé. Ah, je suis devenu trop lourd. Ah, il m'a donné une arme. Oh, j'ai plein de cochonneries, à mon avis, sûrement. Fusil antique. Ça se répare avec quoi? Je peux pas le réparer. Calibre 12, j'ai pas vraiment besoin. Donc les décorcheurs. Les grenades, elles font leur poids quand même. Je sais même pas à quoi elles servent. Hache. Je vais pouvoir réparer. Eh! Voilà, il m'a donné une hache. Hop, voilà, je suis plus trop lourd, tout va bien, la masse, ça me sert à rien. La pelle, je la garde. Émetteur micro-ondes, faudra le tester. D'ailleurs, je vais le tester, hop, on va s'équiper. Ça, ce sera la prochaine arme à tester. Oula, ça ressemble à quoi? D'accord. D'accord. Ça prend la moitié de mon écran. Ça m'embête un peu. On va ranger l'arme, ça ne s'en sert pas. Et on va se lancer sur l'autre quête. Je regarde juste combien de temps ça fait. Ok. L'autre quête que j'avais prévu de faire... Celle-là, elle était rapide, hein, mais ça aurait été bête de passer à côté. Ça va nous faire, en fait, ici, il y a toute cette zone que j'ai pas explorée. Et là-dedans, il y a une quête. Du coup, on va explorer ça. Je vais essayer de pas me gourer sur l'endroit que j'ai cru voir sur la map. Et normalement, ça devrait le faire. Bon, c'était Massacre de Ghoul. Il y a 1800. Non, j'ai gagné quoi? J'ai gagné 800 capsules du coup, plus l'arme unique. Ça fait toujours plaisir. Puis je suppose qu'il y avait pas mal d'XP en tuant les ghouls, j'ai pas fait bien gaffe. Le bonus plus 5 sur toutes les ghouls. Toute petite quête qui ramène plein de pognon. Enfin, vraiment très avantageuse quoi. Et là, il faut filer vers l'ouest W. Voilà. Et j'espère qu'on va pouvoir tester cette arme rapidement. Stop! Ça a l'air assez bizarre quand même, hein. Déjà, ça fait pas le bruit d'une arme, quoi. Allez. Alors, on va essayer de suivre une route, si on trouve une route, déjà. Ça ressemble à un bout de route, ça, non? Si c'était une route, ouais, ça a l'air d'être un petit chemin. Suivons-le. Ouais, toute cette zone, je crois que je l'avais jamais explorée, même dans mes parties précédentes. Ok, du marais. On va voir si c'est une zone plus consanguin ou plus ghoul. Voilà, c'est là-bas en plus qu'on veut aller. Attendez, je vois qu'il y a un petit repère qui bouge... Il y a une zone qui doit être tout près. Il y a un repère qui bouge beaucoup là en bas à gauche. Un cimetière. D'accord.
Lopin du clan Ophi. D'accord. Pour s'en plus, c'est... vous savez quoi, il faut que je la range cette arme, c'est trop le bordel. Alors, il y a quoi ici? Bon, ok, on s'en fiche. Rien d'intéressant. Ah, un ennemi. Il est où? Je vois toujours pas. Il est sur ma minimap, mais je ne le vois pas. Wow, je l'ai vu. Oh, c'est de la grosse merde, cette arme. J'aime bien sa gueule, à lui. On va pas la garder longtemps, hein, cette arme, sur nous. Elle, c'est vraiment tout pourri, hein. Au moins, vous l'aurez vu à l'utilisation, mais... Ah, l'effet est marrant, par contre. Ah, pourquoi je l'ai foutu, mon fiche de... Allez hop, je rééquipe autre chose parce que ça va vraiment être trop long si on se bat avec ça. On voulait pas, ça bouffe la moitié de l'écran et... C'est pas terrible, quoi. J'avais dit West. Normalement, on voit un manoir. Ouais, là, je suis con. Il est en plein milieu de l'écran. Voilà, normalement, il y a une quête aussi dans ce manoir. Oui, si c'est comme l'autre manoir, il doit y avoir 50 000 trucs à piquer. Donc, c'est des têtes de poupées, je crois que c'était des vraies têtes. Allez, allez. Ça manque de lumière? Non, j'avais la lumière, pourtant, c'est juste très sombre par ici. Manoir Black Hole. Et après, par contre, je pense vraiment que ce sera le dernier épisode dans le DLC. Je sais pas si cette quête est longue, mais c'est pas la plus grosse quête de ce DLC, donc... Ok. Je fous pas les commodes. Pas grand chose d'intéressant à part ici. Ça c'est pour sortir, ça ira. Là-bas on peut pas rentrer, rien. Et on va s'avancer un peu. Ah là-bas il y a un mec. On le voit. Je vais quand même fouiller un peu. Oh là là, ça a l'air grand sa baraque. Il y a bien des trucs à piquer quand même dans un manoir comme ça. Des boules de billard, non? Rien d'intéressant. C'est triste d'avoir un grand manoir comme ça avec rien dedans. Ah si, avec que des conneries dedans. Ok, lui il est là en bas. Les étagères, mais je pense pas qu'il y aura de bouquins de compétences, je vais pas vous saouler avec ça. Ah. Ah bah voilà, quelque chose d'intéressant, enfin, de presque intéressant. Steve Boy, je les prends plus, j'en ai plein et ça me prend plus de poids dans l'inventaire vu que je les utilise jamais. Il faudra que je pense à les jeter à l'occasion ou à les vendre. Pas très très intéressant ce manoir. Ah, un coffre, voilà. C'est à peu près le genre de truc que je cherchais. Des capsules, des cartouches. Et argent d'aventure. Hop. Ouvrir un vestiaire. Non, merci, ça ira. Je peux dormir dans son pieu. Je dors. Et on va aller parler au monsieur qui est en bas. Au petit vieux là-bas. Et qu'il a un super gilet. J'aimerais bien avoir le même gilet. Gardez vos distances. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Oh, il est bien vieux. La maison avait l'air abandonnée. Gnagnagna. J'admirais l'architecture, ouais, super. Voilà, c'est bien ça. Vous êtes au manoir Black Hole. Ce n'est pas une attraction touristique, mais je reconnais que vous avez bon goût. Mais oui, toujours, j'ai Venez, bon discutons. Discutons, bah, qu'est-ce qu'on faisait? Ah, c'est vrai que c'est joli chez lui, mais bon. Ça a mal vieilli, quoi. Un peu comme lui. Alors, allez, viens ici, papy. Bien, bien. C'est une bonne chose de s'asseoir et de discuter. Oh, il a une bouteille de quoi d'oxygène, là Nitro. La conversation, un art hélas trop souvent négligé. Vous ne trouvez pas? Oh, on va être d'accord avec lui, hein. On s'en fiche. J'en suis ravi. L'art de la conversation
est l'une des choses qui nous distingue des crétins comme ces gens des marais. Bah, discute, Jean Desmarais, qui, je dois le dire, m'ont pris un livre, un précieux héritage familial. La quête classique. Accepteriez-vous de le leur reprendre? Ouais, qu'est-ce que je gagne, bien sûr. De l'argent. Du bon argent. Du bon argent. Du bon argent. Et vous toucherez 1000 capsules. J'en veux, moi. Je ne poserai aucune question. 1000 capsules, d'accord. 1000 capsules, moi, je fais n'importe quoi. Les fous qui l'ont volé croient qu'ils recèlent des pouvoirs. Il y a un lieu rituel à l'est du parc d'attractions, au sous-sol d'une maison en ruine. Rapportez-le. Un parc d'attractions? C'est la ville, quoi. Il faut que je fasse... Oh non, on s'en fiche. Allez. Voilà. Toc. Ça, c'est fait. Je sais pas où ça m'emmène, par contre. On va regarder ça, hein, sur la map. Oula. Quelqu'un qui cherche la merde en face. Carte. Je pense que j'y suis déjà allé au lieu rituel, il y aura le test. Ah. Une minute. Il faut que je sache. Est-ce qu'Obadia vous a demandé de retrouver un J'ai bien envie de lui dire non. Ah. Je vous en prie, vous ne comprenez pas de quoi il s'agit. Mais c'est un livre. Ce livre, c'est bon. Le Crive Beckney, est une chose maléfique. Je ne sais pas de quoi vous parlez, femme. Je ne vous laisserai pas faire. Les Black Hole ont perdu toute trace de ce livre depuis des générations. Mais Et je vais faire en sorte qu'il reste perdu. On ne sait même pas ce qu'il fait, ce livre. Obadia P, ouais, c'est vrai. Je ne peux pas vous promettre d'argent. Voilà, matériel médical, j'ai pas besoin. J'ai du matériel médical. J'en ai des tonnes. Je vous en prie, il faut que vous le fassiez. Non, puis faire le mal, c'est mon dada, quoi. Bon, je suis obligé de lui demander. Obadia ne vaut pas mieux que les païens à qui il vous a demandé. Il existe un moyen de Mais non, mais j'ai pas envie de te le ramener, bordel. Oh, ouais. Je n'en demande pas plus. Fais chier, hein. Putain, elle déconne, elle. Pardon. On a envie de l'envoyer chier, mais on peut même pas, quoi. Obligé de répondre qu'on envisage de lui ramener quelque chose. Bientôt level 27, j'ai toujours pas regardé les perks que je peux gagner. C'est con. Je vais encore prendre un point au pif, je crois. Ça fait quoi, une demi-heure d'épisode? On va peut-être réussir à faire les deux quêtes et se terminer le DLC. Je vais pas lui ramener son livre, elle a l'air... Moi, j'aime bien ramener un vieux qui veut faire le mal. Êtes-vous là-bas? Wow! Non, mais c'était un tir, je nettoyais mon arme, le coup est parti tout seul, quoi. Allez. Ah, t'es pas joli, joli, toi. Bagarreur. Ah, ça me fait penser à tous ces films, là, où les gens se font attaquer par des consanguins dans des petits villages dans les marais. Où... Tu connais le film Deliverance? Il lui manque juste le banjo à lui, là. Allez. Et je fais que du critique, quoi. C'est génial. J'arrête pas de le dire, quoi. Peut-être que je... C'est quoi, c'est... Vers sous-sol incendié. Bon, ça doit être là, hein. Je pense. J'ai encore beaucoup de balles, moi, dans ce flingue, non? 1500. Je sais pas ce que ça tire comme cartouche. Je mets un peu de lumière. Je viens récupérer un livre. J'aime bien l'ambiance de cet endroit. Enfin, je trouve ça bien foutu. Assez oppressant. Si j'avais un perso plus faible, je pourrais chier dans mon froc. Bon, là, c'est pas le cas, du coup. Mais si, c'est assez bien fait, le level design de cette caverne-là. Franchement... Je trouve ça assez joli. Assez oppressant. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Nuka-Cola Quantum, ici. Eh ben, pas évident de les trouver, les Nuka-Cola Quantum, quand même. Je sais pas du tout où je vais, hein. Là. Ce qui m'intrigue, c'est qu'il y a personne. C'est pas très très, c'est un petit peu trop calme par ici. Un coffre, de la vinasse, un steel boy, je suis pas intéressé. Non, c'était par là apparemment. Je me souviens qu'il y avait un autre chemin, donc ça va.
je me sens pas encore complètement largué. Par ici, il fallait que je n'ai pas exploré cette partie-là. Il y a encore un chemin là. On va aller méthodiquement. C'est bizarre qu'il n'y ait personne quand même. Oula, c'est joli ça. Ok, en bas, je sais pas ce que c'est, mais on va éviter. Je suppose que dès que je prends le truc, je vais me faire attaquer de partout. Hop, c'est quoi ça? Fruit pour dégager, je m'en fiche. Vous savez quoi? Je vais aller explorer juste la petite zone. C'est quoi? C'est de la flotte, ça? Ah, d'accord, c'est de l'eau. On voit que dalle, je peux pas plonger. C'est pas grave. J'ai juste exploré la petite zone, là, que j'ai pas encore pu faire, parce que... Bah, je suis curieux, et avant, à mon avis, je suppose que quand je vais prendre le truc, tout le monde va me sauter dessus, hein. Enfin... C'est surprenant, un endroit aussi grand, avec personne. Ah, sympa aussi. Un autre jardin. À moi. C'est con que je puisse pas ramasser les petites poupées, j'en ai envie partout chez moi. Bon, non, ça a l'air... Ça a l'air vide. Bon, on a eu pas mal d'objets rares, je suis en train de me dire, dans ce DLC, là, l'arme à micro-ondes, ce fameux fusil, là, qui me plaît vraiment bien, au final. Et, la hache, unique. Bon, allez, hop. Il a l'air imbibé de sang frais, moi je le prends. Ça part pas en sucette. Comment ça, ça part pas en sucette? Ah si, ça part en sucette. Je me disais bien, c'était pas possible. Hop, hop, hop. C'est grave tous les petits bruits qu'on entend aussi. Wow, 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 il m'a fait peur. J'ai l'impression qu'il leur ont fait l'accent redneck. T'aurais pas une main un peu dégueulasse, toi? Vas-y, je vais tirer dedans, ça va la dégonfler. Shit! Et voilà, je gagne un level, et je suis peut-être pas forcément content parce que je peux pas mettre mes points. Bah on va s'augmenter en armes lourdes, un petit peu en explosif. Je sais même plus où mettre les points, allez, médecine, soyons fous, j'ai la poupée, allez, on se met à 100. Ça sert à rien, j'ai 10 fois trop de produits de soins. Armes de corps à corps, allez, soyons fous. Et un point en discours, c'est la fête. On va regarder un peu les perks en bas, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait gaffe. Mais je trouve que les perks au-dessus du niveau 20 sont pas... Ah ben... Nerf d'acier vous reconstituerez les points d'action beaucoup plus rapidement. Bah si, ça me convient bien en fait. Karma devient instantanément bon, c'est rare. Aucun point faible, ça sert à rien. J'ai déjà aucun point faible. Bon, ça m'intéresse pas. Nerf d'acier, on va prendre... Il va être encore plus cheaté, mon perso. C'est pas grave. C'est ça qu'on veut quand on joue un RPG. Avoir un gros perso cheaté avec un gros stuff cheaté... C'est le meilleur. Il y a une vague qui va arriver de là. Alors... Oh putain! Il y en a un juste à côté de moi ou je rêve? Attendez une seconde, je suis quasiment sûr qu'il y en a qui viennent m'agresser là. Sournoisement. Ah non. Je vais prendre ça dans ta tronche là. Bon, je fais exprès de retirer comme ça pour gagner les points d'action. On va bien finir à la main, mais après, je suis embêté. Il en manque un. Il s'était à 3 à m'attaquer, pas 2. Alors, je deviens fou. On va aller voir un peu par là si ça a spawné, mais... Non, il n'y a pas de monstres qui ont spawné ici. Ok. Ah, si. Non. Ah, j'aime pas me faire surprendre, voilà. Ils sont vraiment dégueulasses quand même. Ils sont vraiment dégueulasses. Tiens, on va tirer dans le bras pour le faire. Okay.
Level 27. On va réussir à finir le jeu pile en sur niveau du niveau 30. Non, je pense qu'on atteindra le niveau 30 avant la fin. Si on tape vraiment dans toutes les quêtes annexes et tout ça, ça devrait continuer à monter. On verra bien. Je sais même pas si les perks niveau 30 sont cheatés ou pas. Je crois qu'il y en a un qui met toutes les compétences à 9, toutes les compétences, tout le spécial, mais je dois pas en être loin en plus. Donc on verra bien. Voilà, ça c'est bon. J'ai pas envie de lui ramener à la gonzesse, hein. Il ira se faire voir. Lopin du clan Ophi. Je vais quand même aller la voir. Non, j'ai pas besoin de trucs médicinaux, je vais juste aller voir le mec. On s'en fiche de la gonze. De toute façon, elle veut faire le bien. Et le bien, c'est pas... Le bien, c'est mal. Moi, je fais le mal, moi. Mais bien. Allez, allez. Dépêche-toi de charger, là, qu'on en finisse avec ce DLC. Je sais pas où elle se démarre, la quête de collecte, mais vous avez pas envie d'aller me voir chercher des piles à fission et 20 fripunga ou je ne sais quoi. Enfin, je crois que ça vous intéresse pas. Après, si vous voulez vraiment me voir crapahuter dans les marais, dites-le moi. Mais... Surtout que je pense que j'avais regardé ce qu'était la récompense et ça avait l'air assez pourri pour de la collecte. Si vous... Salut, Jaipo. Pardon. Vous l'avez trouvé. Les capsules. Oui, oui, bien sûr. Voilà votre paiement. Maintenant, donnez-le-moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, j'ai achevé la quête. Je pense qu'elle était plus longue si on faisait le bien, puisqu'elle avait trouvé un moyen de le détruire. Je suis curieux de savoir ce qu'il va faire. Depuis tout à l'heure, il glandait dans son fauteuil. Je vais quand même voir ce qu'il fait. Ça m'intrigue, je suis désolé, une petite perte de temps. Ça vous aurait tué de vous essuyer les... Non, mais allez, mène-toi le tonze en plus, interagis pas avec moi, là. Allez. Qu'est-ce que tu vas foutre? Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une cave, ce cher monsieur. Avec une grosse tache verte, là, qu'est-ce que tu fais dans ta cave? Qu'est-ce que tu fais dans ta cave? Ok, si j'avais vu ça avant, ça aurait été drôle, mais... Ah d'accord, tu pries devant un cadavre. J'avais pas vu toute cette zone, comme quoi... Pourtant, ça avait pas l'air caché. J'ai du mal fouiller. On va le fouiller, hein. J'ai envie de lui éclater son cadavre, là, je sais pas si c'est... Ça voudra bien. Ah si, on peut. Vous n'avez rien à faire ici. Voilà. C'est mieux comme ça. J'ai rien à faire ici. Bah, attends, je viens de t'aider là. Tu pourrais être reconnaissant un peu. Au Badja. Vous n'avez rien à faire ici. Je vous croyais au-dessus de ces conneries d'occultier. Je cache généralement mes cadavres dans le fleuve, mais ici c'est sympa aussi. Nous n'avons rien en commun. Mais vous seriez incapable de le comprendre. Partez maintenant. Non, moi je veux parler, moi. Vous n'avez rien à faire ici. Ne vous moquez pas de ce que vous n'êtes pas en mesure... J'aimerais bien comprendre, moi, ce qu'il essaie de faire. Est-ce que je le fais à la chinoise, là? C'est pas joli joli, mais... Alléluia. Voilà. Merci d'être venu. Je reprends mon livre. Mon de sport. Allez, je suis sympa, je te laisse tes fringues. Ah, je vais le mettre sur sa table, attendez. Hop. Ouais, oh! Un poids de chien, toi! Hop. Haha, il a sa tête sur le cul de l'autre. Haha, enfin sa tête. Haha! Trop drôle, quoi. Ouais! Alors la jambe est plus lourde que le corps, quoi. J'arrive pas à soulever une jambe. C'est dingue, ça. Un poids de chien. Alléluia. Non, allez, pour le fun, je vais enlever ses fringues. Ha ha. Ha, il lui met un bras dans le cul, dégueulasse. Bon, super, c'était de très haut niveau. Voilà, j'ai peut-être arrêté, là. Mais du coup, j'ai récupéré le livre. C'est bien, c'est bien, c'est chouette.
On a quoi, 40 minutes d'épisode. On va peut-être se rentrer dans les terres désolées, ou on peut aller voir la gonzesse peut-être encore. Allez, on va voir la gonzesse. Comme ça, on en saura peut-être un peu plus sur la quête. La gonzesse, elle est... C'est là... Sud-est, hein, sud-est. Je suis direction sud-est, déjà. Allons-y. Y a pas la lumière, là. Hop, ça change pas grand-chose, hein. J'aurais dû mettre plein phare, mais bon, désolé, hein. J'ai pas l'option, là, sur mon Pip-Boy. Alors, il arrive. Nous sommes dans les belles dunes. On dirait le nain. Ou pas. Ah, c'est beau ça, la nature, l'air frais, le sable. Et mon phare? Bordel, il branle rien, mon phare. Je suis déçu là. Bon, il y a du méchant. Méchant! Vous êtes où? Bon! Et qu'est-ce qui se passe? Du contrebandier, on n'a pas vu beaucoup des blaireaux comme ça. Oh, il a pas l'air très... Un truc qui m'a pété à la fin. Oh, ça va, je crois que j'ai pas pris les dégâts vu que j'étais en sbarve. Une grenade, gna 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 gna. Si, j'avais dit que je prenais les grenades. Hop. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, tu t'en vas. Ouais, oh, tu vas vite te calmer, toi, la contrebandier de mes deux, là. Oh, ça sert à rien. Tiens, pendant qu'il a pas d'arme, on va essayer une... Oh! Il apparaît pour rien, le perso est mort. Ah merde, il est pas apparu pour rien, d'accord. Là, je voulais essayer une arme. Ça. C'est avec ça que j'aurais dû découper le gros, là. Le gros, le vieux. Ah, ça a l'air de bien marcher, hein. Y'en a pas un autre? Ah si, lui, il est en un seul morceau, allez. Travaille. Ah ouais, c'est chirurgical quoi, la démembreuse, ça enlève tout. Et lui là, hein, oh, il a déjà plus grand chose lui. Je sais pas, apparemment c'était ici que je vais la retrouver, mais je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Tente de l'administration, bon allez hein. Connerie, terminal. Ah c'est ça, c'est produit de soin. Hein. Nouvelle peste. Je sais reconnaître les signes, apprenez à vous protéger. J'en ai rien à foutre, hein, je l'ai pas, moi, la peste. Allez, on va tout piquer. Je suis une putain de pharmacie ambulante, ouais. Si vous voulez que j'arrête de fouiller tout ça, parce que c'est vrai que j'ai des stocks de malades, vous me le dites, quoi. Moi, c'est vraiment en mode réflexe. J'ai tendance, bah voilà, je pique tout, quoi. Un petit coup de parano, je sais pas, mais j'aime bien. J'aime explorer et tout piquer. C'est vrai que je commence à avoir beaucoup de stock en produits de soins particulièrement. En munitions, je dois pas être spécialement mal non plus. Je regarde un peu les tentes, s'il y a des taches dégueu dessus. Je sais pas ce qu'ils ont foutu sur les tentes. Ça sent le vomi de festivalier, ça, hein. Là-dedans, et quoi? Marcella, bah c'est chez elle. Marcella! Die thief, ok. Elle s'est fait tuer. Prendre H, non, ça ira bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Clé du coffre, hein, je crois. Ah, ça te démembre pas trop mal, hein. Alors, c'est là. Ah, c'est dur de bouger les membres. On a un bouquin, là. Non, avant-guerre. Terminal. C'est ça, raconte. Je suis la lumière du monde. Gna gna gna. Ah, la Bible. Allié trouvé. Loco. Dernière entrée, fichier audio. Audio, je veux bien. Hein. Allez, hop, ça ira bien. Ouvre-moi ton coffre. Ouais, bah, c'était pas terrible comme récompense de son côté non plus. Hein. Pourquoi tout glisse comme ça? On va écouter son message, mais on va se barrer, hein, je pense. On a fait le tour, je regarde un peu l'heure, message, je fais tout en même temps. Wow. Vous
devez poursuivre ma mission. Il existe un moyen de détruire le Krivbegni. Mais il faut faire un pèlerinage au nord de Pontloka. Une terre désolée de la capitale. Cherchez un lieu appelé Dunwich. Se trouve un obélisque, un objet maléfique. Il détruira le livre. Il suffit de le poser à sa surface. Que Dieu vous bénisse. Cherchez-vous de rejoindre The Witch. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé. Parce que vous êtes infiniment bon et que le péché vous déplaît. Paraîtrait que je suis infiniment bon. C'est pas rien, ça. Depuis le temps que je vous le dis. Non. Ça fait quoi, 45 minutes? On va... Je sais pas si vous avez entendu dans son message, c'était pas très fort, même si j'ai fermé ma grande bouche un instant. Je pense que vous avez peut-être entendu un peu. En fait, elle disait qu'il y a un moyen de détruire le livre. Et c'est dans les terres désolées, donc c'est le moment de dire au revoir à Point Lookout. Lookout. Je parle très bien. Et on va se casser. Et où c'est là? Hop. Ah d'accord. Allez, paye ton ticket là. Bonjour. Je veux en savoir plus, pas du tout, d'où vient le fruit, il y a un endroit pour commander, blablabla. Je suis ici pour acheter. Ravi de pouvoir être utile. Envoie des tickets, ouais. 391, ça ira, tu m'en donnes un. Ah, attendez, j'ai des merdes à vendre dans le jeu. Aide, divers, argent d'avant-guerre déjà, ce sera vendu. Puis le reste, main d'écorcheur, m'en fiche, j'ai plein de mains. C'est cool, hein. Accepté, hop, merci. Allez, Cassos. Oh, retour au terre désolé, là. Je me demande si je peux le tuer, lui. Mais ce serait con, parce que je vais me retrouver bloqué. J'essaie de le tuer au prochain épisode, je reviendrai pas ici. Bon, à mon avis, si on le tue, il y a un mec qui doit apparaître, ils y ont pensé, quand même. Ou alors, il est increvable. Ce serait pas surprenant, mais... Bon, si je l'attaque, il va quand même s'énerver, il voudra pas me conduire. Choix difficile, hein. Ah oui, donc il y a un pèlerinage à faire pour détruire le livre, ce Dunwich Building dans les Terres Désolées, on essaiera peut-être de le faire. On est bien aux Terres Désolées, tout va bien. Salut Catherine. Oh, j'espère que vous pourrez... Bah, elle veut pas encore entrer. Ça lui ressemble bien. Et c'est tout. Genre tu m'as dit, ouais, j'espère, je veux voir ma fille, je te donne des nouvelles et... Putain. Putain, quelle arnaque! Allez, on va essayer, hein. Sinon, comment on saura? Ah, il est increvable. Et lui, sa vie, elle a remonté. Ah, il a pas l'air de se sentir bien, te barre le passeur. Du coup, te voilà, tiens. Ah, la pose dans la baignoire, je suis assez fier de moi là. Bon, bah, allez, je me casse. Bon, eh bien, prochain épisode, on va peut-être aller voir le Dunwich Building et faire de la quête annexe, hein, classique. Je pense que là, l'épisode est déjà un peu long. Ouais, ça doit faire une cinquantaine de minutes. Donc, je vais vous laisser ici. Je vous dis pas vraiment le planning de la suite, vu que je le sais pas moi-même. Et bah, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi, comme d'habitude, et à bientôt pour la suite de ce joyeux bordel. Allez, ciao !